Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battlefleet Gothic Armada 2. On se retrouve juste à la fin de notre bataille précédente du coup, voir un petit peu nos résultats. On est toujours avec Katox bien sûr en multi et on dit bonjour Katox. Yo. On avait perdu aucun vaisseau, c'est plutôt cool. Même notre cuirassé a bien remonté sa vie même. Hop là, grosse baston. C'est propre. Je crois que c'était la dernière invasion. Hein. Ah oui, non, il y avait la KO à la con là, mais. C'est que le laser qui envoie, il s'explose la planète. C'est ça. Autant dire qu'on va lui caler un. On va lui caler une flotte Vanguard sur la tronche et il fera moins le malin. Alors. Une petite flotte Vanguard, voilà, ça nous coûte un petit peu plus cher parce que on a dû perdre un monde quelque part qui nous aidait. Alors là, on a deux tours pour Harvest. Et il fallait qu'on aille reprendre. Ah bah oui, Nemesis Tessera, on a perdu un truc. C'est pour ça qu'on paye notre flotte Vanguard plus cher. On n'a rien à porter pour aller s'occuper de ces merdes là. Ah voilà, là, 3 points de mouvement, 600, on peut l'envoyer direct là-bas. Hop. Voilà, ça sera bien. Hop, voilà. On peut même se la faire en auto, je pense, sur Nemesis Tessera. Je pense qu'en théorie, oui. Allez, on tente. Alors, on a la dent carrier qui prend un niveau et on a perdu personne. Par contre, c'était vraiment une petite bataille. Hein. 26 de renommée. Oh, on les avait quand même bien. Oui, on leur avait fait mal. Hein. Ils nous avaient battus, mais c'était pas non plus. C'était pas non plus du pipi de chat, on n'est pas si mauvais. Alors, du coup, il nous reste Scarius. On a une attaque orc dans deux tours. Ah, très bien. On devra avoir ce qu'il faut avec. On peut même l'envoyer à Nisa Stromlo se réparer à 100% la flotte là. On va le faire. Hop. Combien il y a de menaces le chaos? Ouais, deux de menaces, c'est pas demain qu'il va commencer à faire des trucs donc on est bien. Ouais. Donc on se répare un tour ici et après on retourne à Harvest encaisser la petite flotte orc qui se pointe. On pourra même aller sur Exen. On pourra même aller sur Exen en contre-attaque. Peut-être les laisser, on verra un peu. Ouais, on verra en quel état on est. Ouais. En tout cas, il y a quand même une forteresse et tout, donc avec une seule flotte, ça peut être tendax. Hein. Ouais, moi ce qui m'inquiète surtout, c'est les. C'est le chaos là. Ouais, le chaos, bah le chaos il va pas bouger tout de suite, il a vraiment pas de menace, mais s'il commence à construire des forteresses et tout, ça peut aller vite quoi. Bon après on a la force Vanguard à 450 sur Exen qui peut bien aider aussi. Hein. Ok bah écoute on peut se tenter Sanctuaire. Maintenant qu'on est normalement en condition optimale. Ouais. Tout le monde est réparé, on a deux cuirassés, on a un petit escorteur là. On tente. On tente. Essayons de pas mourir. C'est parti. Bon, normalement on a deux fois la puissance de commandement nécessaire du truc. Il y a peut-être moyen quand même. D'ailleurs j'ai pas regardé du coup l'ordre de déploiement. On y va direct avec deux cuirassés. On va peut-être te mettre quelques dévoreurs quand même, ce serait cool. Hop, voilà. C'est bien comme ça. Ouais, pas oublier que si je me rappelle bien... Les Eldar arrivent après, mais on combat d'abord une flotte humaine qui est planquée dans les nébuleuses. Ouais, du coup, peut-être un peu plus de dévoreurs. On garde un cuirassé en réserve, peut-être. Bah, le problème, ouais. C'est qu'on reste sur l'aléatoire de... il faut qu'il pop. Allez hop, c'est parti. On y va comme ça, on verra bien. Je pense qu'il y a quand même moyen que ça se passe mieux.
pense. Bon, on va passer. On peut pas passer. Ma souris a disparu. Je ne peux pas passer. Bon bah du coup blablabla, il se râle dessus parce que le vaisseau monde est menacé. Ouais. Ça ne change pas. Le pire c'est que ça serait tellement bien si effectivement Spire les trahissait, mais j'y crois pas un seul instant quoi. C'est pas le style. Alors, on a deux vaisseaux. On a un avec champ de sport et un boulet de démolition, et l'autre avec un canon à bave et un cri psychique. Lequel te ferait plus plaisir? Ouais, on voit. Boulet de démolition? Ouais. Canon à bave, boulet de démolition? Boulet de démolition? Ouais, boulet de démolition, je pense bien. Ok, alors, je te file aussi. Les dévoreurs, est-ce que tu veux que j'en garde un ou ça ira? Du coup, t'as 4 vaisseaux, dont un cuirassé, et moi 3. Dont un cuirassé. Devrait aller. Bon, ils étaient planqués ici et là. A mon avis, ils sont planqués vraiment dans les 3. Ouais. 3 nébuleuses donc. Il est un peu trop symétrique, ouais, ce champ de bataille. Ouais. Je proposerais bien d'attaquer celle de gauche parce qu'il y a le champ d'astéroïdes autour qui va obliger ceux qui sont planqués à faire des petits détours. Bon, ça sera succinct, mais. Ouais. Ça peut nous permettre de gagner un peu de temps, du coup. Ouais, bah je vais me placer en. Juste derrière. Le temps que tout commence à pop. Ouais, le temps qu'on y voit un peu plus clair et que tu saches où charger. Les gars, vous avancez? Ah, on peut pas avancer, ok. Attends, putain, le truc qui bouge dans tous les sens là. Hop là. Excuse-moi, j'ai un peu raté mon démarrage. Je vais se prendre un poil d'avance. Jusqu'où va mon marquage? Ah, je devrais pouvoir faire un balayage assez rapidement dans la nébuleuse, donc ça c'est cool. Ne pas choper un qui peut faire des spores sondes. Non, j'ai un cri psychique et un canon à bave, j'ai pas non plus de flotte, enfin de petits vaisseaux. Hein. Mais j'en ai un qui peut faire des champs de spores, mais ça, je peux toujours en balancer une. Ouais, bon, on n'est pas non plus au taquet de la détection, hein, ça va. On met dès que. Voilà. Coucou. Ouais putain, d'ailleurs ça commence. Putain, il a pris cher direct là. Ils en ont rien à foutre les mecs. Oh putain, il est tellement dépioté là par contre. Faut que je recule. Ah c'est comme ça, on me jette des trucs dessus. Tiens, mange. Fumier. Où es-tu toi? Oh non, dégage de là. Hop,
pas ça. Ah merde, putain, mine. Oula, c'est tendu. Putain, je trouve que j'allais te rentrer dedans. C'est passé de justesse. Bon, toi, t'as quoi? Dégâts critiques au pont. Ouais, c'est... Ah merde, ils m'ont balancé une deuxième dessus, les enfoirés. Oh putain, ça y est, ils vont commencer à lâcher leur saloperie. Ouais, il faut que tu charges pour te barrer de là. T'as pas trop le choix. Ouais. C'est tellement chaud, t'as un vaisseau qui est en plein milieu de la baston là, des tirs. En bas à gauche. Tu sais qu'ils sont en train de dépop dedans. Ah ouais, c'est la violence hein. Bon, il lui reste plus rien lui. Ah putain, il va exploser. Alors, on a du renfort qui est arrivé. Tu es au renfort. Viens là. Je vais le choper. Merde, c'est moi ça. Putain. Ah, il fumier. Ouf, putain, c'était juste. Intéressant. Mais mec, tu crois quoi avec ton mode furtif? Tu te fous de ma gueule? Voilà, on se calme. Équipage mutin, ok, très bien. Oh, il vient de tirer sur son propre pote. Ça lui a fait mal aux fesses. Ça fait plaisir, ça. Bon, je laisse mon amiral en retrait loin parce que. Tant qu'il reprenne un petit peu de PV, est-ce que... wow. Il a souffert le tien. Oh, putain, ah ouais, acre. Au pire, replie-le hein, s'il faut. Bah, c'est un amiral. Ouais, bah, c'est un peu chiant, mais. Plutôt que le perdre. Ouais. Putain, ils en veulent à ce petit vaisseau là, on dirait. Essayer de passer au milieu. Oh merde, je l'ai raté, je l'ai pas vu venir là. Ça va. Oh
Et toi, faut que t'avances, mec. T'es vraiment trop lent. Ok, une épave à la dérive, c'est parfait. Je suis en train d'essayer de bouffer le dernier, mais il reste le barbare. Accélère un peu, toi. Oh putain. Ok, c'est l'heure du nouveau tir. Mais il a plus de moteur lui. Ah mais putain, j'avais désactivé ses moteurs, quel con. Ça peut jouer. On se regroupe les gens. T'arrives à le bouffer? Fais gaffe, t'es en train de crever hein. Encore mieux oublier. Après il va partir en retraite lui. Voilà. Ouais, il aura mieux mérité. Bon. C'est pas ouf. Mais c'est mieux que rien. Oh, il a pas réussi. Meurt de dégâts de feu. Ça va venir de renfort, c'est déjà ça. Oh putain. Ouais, c'est de partir en, en arrière parce que. Ouais, j'ai dû avancer là. Faut éviter le tir. C'est Faire un genre de ligne. Ouais, ça. Où est-ce qu'ils sont ces enfoirés d'Eldar là? Je sais pas, il faudrait scouter, comme ça je peux peut-être balancer des champs de sport. Parce que c'est pour l'instant mon. Allez, moi et Chib, je vais le laisser un peu à l'écart, mais il peut balancer un nombre incalculable de champs de sport. Ouais, parce que le problème c'est que on continue de se faire défoncer. Putain, le vaisseau qui vient d'arriver là, hop. Le fil fait assaut d'acide. Ouais. Alors, parce qu'en plus, on peut pas rester là à rien foutre, hein. On va se faire. Bah, il faut attendre de repérer où ils sont. Ouais, mais on sait même pas s'ils viennent vers nous. Il y a toujours la flotte qui est moitié en dehors là, ça a pas bougé. Si ça se trouve, ils sont planqués dans un coin et ils peuvent attendre à l'infini que leur vaisseau nous défonce avec ses énormes canons, quoi. Bah, je pense pas, je pense que vraiment l'IA ferait au moins. Ah, ça y est, ils sont là. Ah, voilà. Putain, la vache, quand ils y vont, ils font pas semblant, là. Ouais, j'ai claqué une. Spore dans le. Dans la zone, j'espère que ça suffira. Pour sortir d'ici, là. Assaut, assaut. Ils font pas complètement demi-tour comme des fumiers, tiens. Pour une fois. C'est à toi le truc rouge là ou c'est à eux? Ok, c'était à toi. C'est pour ça que moi je le vois pas, tu vois. Bon, bah on a perdu le petit éclaireur, tant pis. Attention, il faut une rasade de. Ok, ça commence à souffrir un peu là. Comme des équipages mutins un peu partout. Là faut qu'on charge. Je me remets à. Cramez-les. Je garde moi. Tu te rends compte que la regen du F-Ship, je suis passé de. De rester genre. Moins d'une quarantaine de PV, je suis remonté à 800. Ouais, bah ça fait mal hein ce truc. Oula, putain, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils font ils font des. Merde. Ouais, on va en profiter pour charger par là. Ah, j'ai réussi à le tuer dedans. Ah, j'ai réussi à l'envoyer. Ouais, de justesse. Putain, ils vont me défioter mon dernier vaisseau. Mais il avait plus rien, il a donné tout ce qu'il pouvait de toute façon. Oh, je la mutinerie juste au dernier moment sur le vaisseau amiral, quoi. C'est beau. Ouais.
Il a lancé cette dernière torpille juste avant de crever. Et en plus elles vont toucher. Boum. Alors on a du renfort qui arrive. Il est loin. Les tentacules du désespoir viennent à notre aide. Viennent à notre aide, pardon. Bon, une fois de plus, faut qu'on les replie dans un coin, ça change rien. Ça change pas d'habitude, plutôt. Tentacule du désespoir, vous êtes où? Pointez-vous. Genre en traçant. Putain, j'ai plus une seule tourelle, alors ces vaisseaux me font super mal. Ouais, je crois que je vais me replier un coup. Je continue à pousser un peu, mais... En plus j'ai des incendies, fait chier, putain ça dure super longtemps. Attention, il y a des tirs sur ton vaisseau amiral. Ouais. Là ça va. Ah oh, mais putain, mais pourquoi ils se relancent ces foutus incendies? C'est ouf. Je vais pas crever avec des causes d'incendie quand même. Ce serait abusé. Qu'est-ce qu'il fout? Ça va, je regagne presque plus de vie avec un incendie en cours que... Moi j'en ai un qui a planté là, je sais pas ce qu'il fout, il tourne en rond. Lequel? Ah bah, j'ai trouvé pourquoi. J'ai bugué. Ah merde. Ouais, je sais pas pourquoi. Ah oui, j'ai repris la main dessus. T'as dû le jeter. J'ai repris la main sur tes vaisseaux. Bah c'est de faire pause aux invités, voir si je peux. Est-ce que je peux mettre pause? C'est la question. Alors, je peux mettre pause. Mais par contre, est-ce que je peux t'inviter? Je peux t'inviter. T'as dû recevoir une invite là. J'ai pas reçu grand chose. Alors attends, invité. Oui, non, peut-être. On peut avoir internet qui est tombé, on s'entend encore. Je proteste énergiquement. T'as reçu une invite ou pas? Non. Merde. Non, je relance le jeu parce que j'ai tenté de te rejoindre aussi manuellement, mais. Ne fonctionne pas, hélas. Attends, je vais essayer de gérer pendant ce temps-là. Pourquoi je suis en... Ah oui, putain, j'ai mis espace et maintenant j'ai le temps ralenti avec espace vu que je suis tout seul. Oh putain, la vache, on va se faire défoncer. Oh, mon... Ouf, ça va encore pas mal en réserve, non? L'autre là, il arrive là. Il est temps de se pointer, mec. Non, ça veut pas. T'es en combat, donc je pense que ça veut pas. Alors attends, je réessaye du coup, maintenant que t'es dans le jeu. Invité. Non, j'ai reçu. Tu l'as reçu? Non. Ok, le canon d'infinité a surchauffé, nous allons mettre du temps à le réparer et il lance un nouvel assaut contre nous. Bien sûr qu'on lance un nouvel assaut, on va pas lâcher l'affaire, t'es fou toi. Nos vies sont en jeu, nous avons besoin de votre aide, Vizark. Nous sommes là, la mort dans le vide spatial. Alors il y a un Eldar qui s'enfuit dans les astéroïdes. On va lui apprendre que c'était globalement une idée de merde. On a notre dernier vaisseau de renfort qui arrive. C'est le dernier renfort. Bah il y en a pas d'autres qui pop, donc je pense que ça doit être le dernier. Bah, ça dépend du score. Ça dépend du score global. Et il y a les renforts Eldar qui étaient bloqués en dehors de la map, qui ça y est, décide de bouger le cul. Ah, la fameuse flotte qu'on voyait à l'extérieur là. Ouais, celle-là ouais. Il fait demi-tour ce con encore. Il a explosé. Ok, il reste plus que la dernière flotte à gérer.
essayer de se la jouer à l'assaut celle-là. Petit dégât de morale. Ah, ils ont détruit mon cuirassé. Voilà. Oh, le boulet de démolition, ça leur fait mal aux Eldar par contre. Ouais, le boulet de démolition, il est assez il est assez bien biffé. Il a pas l'air d'avoir grand chose le Visark là, il y a moyen je pense. Demi-tour toi. Allez, après ça il lui restera plus qu'un vaisseau. Ok. A priori il n'y en a plus qu'un. En tout cas, je n'en vois plus qu'un. On lui a envoyé tout ce qu'on a, il a déjà quasiment plus de troupes. On va lui renvoyer une petite escadrille d'assaut parce que ça fait toujours plaisir. Il est bloqué dans un coin de la map, il a 11 assauts sur la gueule plus une dizaine qui se pointe. Normalement, on vient de détruire son pont, on a détruit ses moteurs. Attention, des troupes perdues sur les assauts critiques. Il est en mutinerie, il fait un appel aux armes. Il est à la dérive. Objectif atteint. Wouhou, c'est la victoire, Katox. Et ça c'est beau. On aura quand même bien souffert, hein. Il reste deux cuirassés de combat et un cuirassé quasiment mort. Deux croiseurs de combat pardon et un cuirassé quasiment mort. Ça fait mal aux fesses. Ouais, ça me pique un peu. Alors on a perdu quoi? Un cuirassé, on a perdu l'assaillant, on a perdu la plume du signe, fait assaut l'acide qui résiste. On a perdu le grignoteur. Bon, on a perdu notre éclaireur, on s'en fout. On a perdu l'intestin de Katox et Bob la mâchoire. Et on a une petite ciné du coup. Ouais, désolé. Bah, tu regarderas sur la rediff. Ouais, ok, bon, c'était court. C'était une image du vaisseau Eldar qui se faisait buter. Et c'est tout? Et c'est tout. Et là je suis revenu sur la carte de campagne avec un mec qui parle. Ok, bon, en gros il y a le seigneur commandant de l'Imperium qui dit que les Eldar ils étaient super gentils et que c'est une grande tristesse qu'ils soient morts mais que l'Imperium se battra jusqu'à son dernier souffle. Et on passe niveau 9 de renommée. On reçoit un point d'amélioration et la menace Eldari passe définitivement à 0 dans chacun des secteurs. Ah oui! Quand même. Et du coup, on va te réinviter. Hop là! Alors, est-ce que t'as reçu l'invite cette fois? Non. Non? Ah, bah c'est peut-être moi qui va devoir redémarrer le jeu. Attends. Peut-être, oui, peut-être non. Non. Non ? Bon, écoute, non, il ne se passe rien. De toute façon, l'épisode était déjà assez long, il y a eu quand même une belle bataille épique, donc on va s'arrêter là, désolé pour les petits problèmes techniques, hein, c'est une chose qui arrive. J'espère que ça vous a plu, j'espère que la bataille vous a plu, parce que c'était quand même bien tendu. N'hésitez pas à laisser un petit message, et on se dit du coup à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Salut.